Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie sur Let's Play de Donkey Kong Country Returns sur Nintendo Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait battu le deuxième boss, on avait également commencé le monde 3, le monde des ruines. Mais avant de continuer ce monde 3, dans l'épisode précédent, je ne vous avais pas montré les différentes images que j'ai pu débloquer. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai débloqué? Alors j'ai débloqué le Squalus. Poupicus, on l'avait déjà vu. La Béchasse. Et le Colibrise. Pour les créatures 1. Ensuite pour les Tiki. C'est ça, j'avais débloqué l'image du deuxième boss. Voilà, les Maramalins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore débloqué? Ici, dans la Galerie des Mondes. Voilà, j'avais débloqué ici, Aventure Sous-Marine. Voilà, au moins comme ça vous avez vu un petit peu les images. Alors j'ai débloqué aussi la musique du monde 2, hein, mais ça on verra ça en fin d'épisode je pense. Et au niveau des dioramas, je n'ai pas encore débloqué puisqu'il faut que je fasse les mondes K. Allez, on enchaîne, on perd pas trop de temps. Et on est parti donc pour la suite du monde des ruines. Voilà, monde des ruines. Alors avant ça, je vais aussi aller acheter la clé. Voilà, pour déverrouiller le monde. Enfin, pour déverrouiller le verrou. Je vais également reprendre 2 squawks pour l'épisode. Voilà, ce qui m'évitera d'aller chercher les pièces de puzzle. Voilà, impeccable. Voilà, maintenant que j'ai la clé, voilà, le verrou est libéré. Et ça me permet d'avancer au monde 3.4. D'ailleurs, on va commencer par celui-là. Donc c'est parti, monde 3.4, dangereux donjon. C'est parti. Bon, j'espère que cette fois-ci, je vais pas trop être dérangé par les téléphones. Hein, parce que comparé à l'épisode précédent, c'est bon, hein, 2 fois, même pas 5 minutes. Flûte. Flûte zut. Alors, voyons voir un peu qu'est-ce qu'on a ici. Ok, une pièce banane, je prends. Un perroquet, tu dégages. Là-dedans, on a quoi? Rien du tout. Alors, des fois, dans des moulins comme ça, il peut y avoir des bonus. Tiens, d'ailleurs, il y a déjà Didi qui réagit. Olé. Ah merde, il était là, le sac. Mais qu'il est con. J'aurais dû balancer ça là-dedans. Je crois que je vais devoir me suicider, déjà. C'est ça, il est bien là-dedans, en effet. Il n'y a pas un autre truc derrière? Non, bah je vais me suicider exprès. Ah, qu'il est débile. Et voyez, des fois, pour choper les pièces de puzzle, il faut pas se foirer, hein. Si on se foire, c'est foutu. Ah, qu'il est con, putain, qu'il est con. C'est pas grave, on refait de suite. Voilà, cette fois-ci, je prends le tonneau. Et là, cette fois-ci, je vais le balancer. Voilà, là-dedans. Voilà. Impeccable. Oh là, il y a 9 pièces. Putain, je me suis gouré de touche. Je me suis gouré. Par contre, Squawks réagit là. Pourquoi tu réagis, mon Squawks? Là, il n'y a rien. Attendez, si Squawks réagit, c'est qu'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien en dessous. Je pensais qu'il y avait un truc en dessous. Ben non. Ah, qu'il est débile. Mais je vais pas commencer à refaire 50 000 morts là, c'est bon. C'est des morts débiles en plus. Bon, là, comme j'ai récupéré la pièce de puzzle, je peux faire ça directement. Alors, on n'oublie pas le cas. Putain, mais où est-ce qu'elle est, cette pièce de puzzle, nom de Dieu? Pourtant, Squawks, il réagit, hein. Non, elle n'est pas là. Non, il réagit là, en fait. Donc, c'est là qu'elle doit être, la pièce de puzzle. Elle doit être au-dessus, elle doit être au-dessus. Elle doit être au-dessus. Non mais vous allez pas le croire, j'ai encore le téléphone qui sonne. Non mais, c'est pas possible. Hein. Mais c'est pas possible, je ferai pas une vidéo sans être dérangé. Hein. Non mais je vous jure, en plus je fais pas exprès de sonner de téléphone, hein. Punaise. Mais c'est pas possible d'être dérangé à chaque fois qu'on fait une vidéo, quoi, merde. C'est ce que je dis, je ferai pas une vidéo sans... Putain, mais je fais le con. Je ferai pas une vidéo sans être dérangé, hein. C'est pas possible ça.
Ça, non, c'est pas possible. Bon, par contre, j'ai une pièce de puzzle qui m'embête, là. Je sais pas où elle est. Olé. Est-ce qu'elle peut être, cette pièce de puzzle, nom de Dieu? Aïe. Mais, c'est une blague ou quoi? Ah, mais elle est là! Mais qu'il est con! Elle est là, punain! Je l'ai pas vue. Mais ça, c'est parce que je suis pas concentré, ça. Oh, attention. Bon, allez, on avance un peu plus vite, là, parce que là, non, hein. Là, c'est pas possible, quoi. Ça, elle est là. Ok. Et deux, trois. Ah, je vous jure, ma parole. Punaise. Comment voulez-vous faire un let's play correctement si vous êtes dérangé toutes les secondes, quoi? C'est pas possible. Attendez, Scox réagit, là. Oui, elle est là. Ok. Et deux, quatre. Qu'est-ce que ça agit encore là? Je le vois qui est prêt à bondir là. Aïe. Ah, non, 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 stop. Putain! Non, non, il réagit plus là. Il ne réagit plus le secours là. Ok, là il réagit une fois de plus là. Alors elle est où? En dessous? Ah, elle doit être là. Oui, elle est là, d'accord. Ok. C'est bon. Allez, on peut avancer. Oh là là, attention quand même à pas crever comme un con. Ou comme un Kong, c'est comme vous voulez. Ok. Ok, il y a un truc en dessous, ça se voit direct. Ok, c'est niveau bonus. Bon, j'aurais dû prendre Didi avant, mais... on fera 100, hein. Bon, puis ça va, c'est pas un bonus difficile, celui-là. Ok, 20 secondes. Bon, normalement, c'est faisable, hein. Ah, mais putain, j'arrive pas à choper les deux dernières! Putain, il en manque une. Ok, c'est bon. Ouh! Impeccable. Alors, par contre, moi, il faut que j'aille au-dessus, moi. Hein. Voilà. Oui, on va pas oublier Didi. Allez, viens avec moi, Didi. Alors, là, en dessous, vous voyez, il y a peut-être un espèce de moulin à vent, là, ici, regardez. Juste là. Voilà, et ça, ça permet voilà, d'activer ça avec la pièce de puzzle qui se trouve juste après. Oh putain, je pensais être juste, mais c'est bon. Ah, un tonneau, je prends. Voilà. Bien. Impeccable. Bon, le requin, là, il va se calmer. Oh là là, attention. Ah putain, il y a encore un... ça, là. Voilà. Impeccable. Ok, 8, il m'en reste une. Ok, on a le N, c'est bien. Ah. Ok, elle doit être en dessous, là. Elle doit être là. C'est ça, elle est là. Bien. Et c'est encore un niveau bonus, en plus. Bonus. Attendez, je suis un peu... voilà. On va essayer de pas perdre les pédales. Impeccable. Parfait. Et là, on a eu toutes les pièces de puzzle du niveau en plus. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, 9 sur 9. Impeccable. J'ai plus qu'à finir le niveau. Alors, par contre, j'ai encore une lettre à récupérer, moi. Faut pas que je l'oublie, celle-là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh. Juste des bananes. Attendez. Ah non, c'est bon, j'ai eu toutes les lettres, déjà. Non, bah, c'est bon, alors. Il est gros, ce requin. Oh là. Ok, juste des bananes. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Bien. Niveau terminé à 100% en plus. Parfait. Impeccable. Alors, comme d'habitude, je sais pas combien de niveaux je vais faire pour cet épisode. On verra bien. Ok, niveau 3-4, c'est fait. Donc, on passe au niveau 3-5. Les Mordor Farceurs. Avant ça, je prends Scox comme d'habitude. Et c'est parti.
Ah, Squawk se rage déjà là. Eh ouais. Eh ouais. Il y a bien un niveau bonus ici. Bien. Ah putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, c'est qu'on est obligé de faire un détour et ça c'est chiant. Ok. Impeccable. Alors combien il y a de pièces de puzzle dans ce niveau? Il y en a 7, ok. Ok, juste une banane, bon je m'en fous. Allez, ouvre-toi. Alors vous l'avez peut-être vu, mais c'était pas un œil hein, qu'il y avait dans ce truc là. Là vous l'avez peut-être vu là aussi en dessous de ce truc. Voilà, et là vous le voyez encore au-dessus. Voilà, c'est des petites bestioles en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est. Voilà. C'est des petites bébêtes comme ça. Bon, ils sont pas très durs à tuer. Hein, hein? Sale bête, va. Voilà, il y a quelque chose derrière, là ça se voit direct. Voilà. Ok, on va avancer un peu. Alors là, il y a une lettre K. Alors pour la récupérer, cette lettre, en fait, vous voyez là ici qu'il y a un mordeur dans une cage. En fait, il faut faire ça. Et quand elle va se relever, voilà. Et c'est là qu'on peut taper le truc. Par contre, Squawk sera agile. Allez là, la petite puzzle, elle est là. C'est bon, je sais où elle est. Punaise. Oh non, mais qu'il est con. Voilà, elle est là, la petite puzzle. Ok, 2. Coché. Non mais ça suffit. Alors les rouges sont un peu plus vifs, hein, vous le voyez. Et en plus il faut les tuer 3 fois. Hein. Alors là ici ça va être le même principe pour la cage ici. Voyez, parce que vous voyez, il y a un tonneau au-dessus. Donc c'est exactement le même principe. Voilà, impeccable. Et encore un niveau bonus. Alors je sais pas si je ferai le boss dans cette vidéo. Tout dépend du temps que je mets. Ok, impeccable. Plus que là-bas. Ok, très bien. Attention en bas. Attention, voilà. Impeccable. Ok, on est déjà à 3. Ok, un petit cœur, on sait bien. Olé, olé, olé. Impeccable. Alors ici le haut, voilà, très bien, parfait. Alors ici, ah, par contre la Squawk réagit, donc il y a un truc. C'est en dessous, c'est là, c'est là, c'est là. Ici, là, voilà. Ok, 4. Checkpoint, ça fait toujours plaisir. Non mais. Olé. Calme-toi, toi. Oh punaise! Non, c'est 2 fois qu'il faut pour tuer les rouges. Je pensais que c'était 3 fois. Bah non, c'est que 2 fois. Alors pour tuer cette bête là, vous voyez là ils sont trop hauts pour qu'on puisse passer. En fait, faut attendre. Punaise. Allez, vas-y! Voilà, et dès qu'ils ouvrent la bouche. Putain, raté. J'allais dire en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, il faut vite se barrer de là. Mais bon, là, comme c'était un peu restreint, c'était pas évident. Donc là, ici, il faut faire la même. Voilà, ouvrez la bouche. Et là on se barre. Impeccable. Alors là il n'y a rien. Alors là-bas il y a le N. Voilà, très bien, parfait. Ok, attention, on se casse. Aïe. Oh là là, le combo. Putain, j'ai fait un de ces combos là. Ah, par contre la Squawk réagit de nouveau. Ah, où est-ce qu'il est? Ok, il doit être au-dessus là. Il est là, là. Voilà. Impeccable. Ok, le sac. Ah, il y en a un derrière. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je sais comment je vais le choper, celui-là. Voilà. En fait, il faut monter dessus. Éteindre les bougies. Punaise. Oh là là là. Putain, je l'ai excité, le gars. Bah, je suis pas assez loin. Et ici. Et ici. Putain. Bon, c'est pas grave. Il y a Didi juste derrière. Heureusement qu'il y a un tonneau. Allez, vas-y. Souffle-moi ça dessus. Voilà.
impeccable. Ok, 6, il m'en reste une. Alors le G, pour le choper celui-là, il va me falloir l'aide des ennemis, voilà. Impeccable. Alors il me reste une pièce. J'espère que je ne l'ai pas loupé. Hello. Hello. Salut. Bon là il faut tuer tout le monde, hein. C'est pas compliqué. Oh là là là. Putain, raté. Putain, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Ah, je me fais avoir comme un idiot là. Sale bête. Allez, Didi, viens m'aider. Putain. Oh, ya, 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 ya. Oh, ça va, c'était pas dur du tout, quoi. Ok, la dernière pièce est ici. Voilà, ici, hein. Voilà, la dernière pièce, elle doit se trouver là. Voilà. Impeccable. Alors là, ici, vous voyez peut-être, mais il y a des feuilles ici qui recouvrent. Voilà, qui recouvrent une plateforme d'Ikea. Voilà, et la fin du niveau en plus se trouve juste ici. Ouais, oh merde! Je voulais avoir le ticket, j'ai eu la pièce. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok. Et en plus, j'ai eu toutes les pièces de puzzle. C'est très bien. Impeccable. Et ben franchement, j'avance bien pour ce niveau. Franchement, c'est nickel. Allez, c'est parti pour le niveau 3.6, les pierres précaires. Et puis je pense que j'aurai peut-être même le temps de faire le boss derrière. Donc on y va de suite. Ah oui, ici il y aura encore Rambi, ce fameux rhinocéros. On va encore avoir besoin de lui. Alors, vous voyez, il y a une pièce de puzzle là juste derrière. Alors Rambi, où te caches-tu? Ouais, ici il y a une pièce de puzzle déjà. Par contre, où est-ce qu'il est, Rambi là? Rambi, où es-tu? Mais où est-ce qu'il est, Srino? Ah, il est là. Allez, Rambi, tu viens avec moi. Là, ah, il y a une pièce en dessous là, vous l'avez peut-être vu. Enfin, pas une pièce, mais une lettre plutôt. Allez, on va speeder un peu là. Voilà, ok. Ah, il y a que 5 pièces dans ce niveau. Oh bah ça va aller vite. Ça va aller vite. Bon, les ennemis, là, tout le monde dégage. Voilà, impeccable. Alors ici, j'ai vu une pièce normalement. Oui, là. Voilà, la lettre K. Ok. Alors ici, vous pouvez tout détruire, hein, y a pas de problème. Bon, je vais éviter quand même d'aller trop vite parce que j'ai peur que... Squawks me révèle un truc. Bon, ici c'est juste voilà pour gagner des pièces. Alors là attention parce que faut faire vite. Ah, il y a une pièce de puzzle dans le coin. Là en dessous là. Là. Oui, bingo. Non, si. Oui, non, oui, non. Bah si en fait. Ok. Ok, même pas 10 secondes quoi. Même pas 10 secondes que j'ai mis pour choper des pièces, ça c'est bien. Ok, rien d'autre. Bon, apparemment non. Ok. Aïe. Putain, d'ennemis va. Oh, stop, hop, hop, hop. Il y a une pièce dans le coin. Où est-elle? Elle est là? Oui, elle est là. Ok, et de 4, il en reste une. Bon, ça va vite. Ça va vite. Ok, très bien. Ok, le N est juste ici. Il reste que le G et une pièce de puzzle. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a rien ici. Je me concentre, hein, je veux pas trop rater le truc. Ok, très bien, impeccable. Là, ça fait apparaître un gros régime de bananes, ça c'est bien. Alors Squawks, tu réagis pas? T'as rien à me dire? Ok, checkpoint. Ok, là il va falloir faire vite là. Parce que là tout s'effondre. Donc là il faut speeder à fond là.
Allez, vite, vite, vite. Elle est pas là, non? Non, non, elle peut pas être là. Scrooge ne réagit pas. Donc elle peut pas être ici, c'est pas possible. Ok, l'OG il est là. Impeccable. Bon, par contre, il me reste une pièce de puzzle là, je sais pas où elle est. Ok, impeccable. Ok, ok. Non, elle doit être là en fait. Oui, elle est là. Bien. Impeccable. Et 14 pièces supplémentaires. Bon, et ben je m'en sors pas trop mal. Impeccable, parfait. Rien à dire. Je n'ai rien à dire. Allez, vu le temps qu'il me reste, je pense que je vais avoir le temps de faire le boss. Alors comme j'ai dit, les niveaux K, je le ferai à la fin. Et on est parti donc pour le niveau 3B, le piaf explosif. C'est parti. Et franchement, 3 mondes faits en 5 épisodes, c'est pas trop mal. Moi, je trouve ça pas trop mal. Allez, on perd pas de temps. Allons voir ce qu'est ce boss. Ouais, qu'il est pas beau ce piaf. Oh pardon. Alors but pour ce boss. Voilà, en fait il va nous balancer des bombes. Merde. Et moi le but, ça va être de lui renvoyer ses bombes justement. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, viens ici. Oh putain, raté, qu'il est con. Ok, 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 on se casse. Ok. Là je l'ai raté comme un idiot là. Putain, je peux pas les balancer vers moi plutôt. Merde, qu'il est con. Voilà, impeccable, une fois. Un cœur, là-bas, 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 là, le cœur. Donne-moi ça, voilà. J'espère que j'aurai le temps de le... Oh là, merde, le con. Oui, oui, bien. Ok, deux fois. Qu'est-ce qu'il y a, tu t'énerves ou quoi? Oh, putain. Oh, il m'a redonné un cœur, mais j'ai perdu Didi, bon. C'est pas grave, tant pis. Alors là, ouais, attention, il va balancer un gros missile. Oh là. Attention à pas être trop. Ok. Vite, 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 vite. Là. Attention l'ennemi là. Oh putain. Ok, heureusement que je récupère des cœurs. Non, ben ça. C'est ça, ça va péter. Ça va péter, putain, j'aurais dû me baisser là. J'aurais dû me baisser. Oh là là là. Putain, là, 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 j'ai pas osé là. Là, je vous avouerai, j'ai pas osé là. Oh là. Mais non, me balance pas des bombes qui sont sur le point d'être détruites. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Wow. Putain, ah ouais, mais là non. Là non, là. Putain, mais je m'y attends pas. Est-ce qu'il me fait tout ça? Bon, allez, deuxième essai. Si jamais je me foire, je serai de battre plutôt dans l'épisode suivant. Parce que là, j'ai plus trop le temps non plus. Et je tiens quand même à vous montrer les images. Ok. Une fois. Viens là. Attention, ça a pété. Voilà, bien. Faut vraiment essayer de le niquer à plusieurs reprises. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Putain. Viens ici plutôt. Viens là, mon gros piaf là. Putain, je l'ai foiré. Je l'ai foiré. Je l'ai foiré. Ok. Attention, attention, attention. Hein, mon gros piaf là. Ok, il va tout détruire. Ok, attention. Allez, dégage. Vas-y, descends, descends. 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 Oh putain, non. Wow. Ok, c'est bon. Oh non, pas ça, pas ça. Pas ce truc, oui. Non, non, recule, recule. Ok, c'est bon. Non, non, attention, attention, attention. Okay. Non, oh putain, le con, j'ai sauté. J'aurais pas dû sauter, Kevin.
Vas-y, balance-moi tes bombes là. Non. Putain, mais non! Mais non! Oui, voilà! Ouh! Ok, je l'ai eu. Oh! Putain, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Hein. Allez! Dégage! Ouh! Eh ben, je pensais pas le niquer, mais si c'est bon. Eh ben, dis donc. Ouh, j'ai eu chaud, mais j'ai eu chaud. Ok, boss numéro 3 battu. Impeccable! Et donc le monde 4, ce sera le monde de la caverne, oui, normal. Mais avant ça, donc là on va se quitter là, hein, je vais pas faire le monde 4 tout de suite. On va regarder les images et les musiques qu'on a débloquées. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Alors, bonus. Image. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Ok, j'ai débloqué le... Ok, mordicage et compagnie. Ok. Ensuite, au niveau des Kong, j'ai débloqué quoi? La vue de l'île. Ok, sympa. Et au niveau des mondes, j'ai débloqué le sommet des ruines. Une très belle illustration, hein, une fois de plus, hein, vraiment. Hein. Et au niveau de la musique, donc j'ai débloqué les musiques du monde 2. Ouais, ça c'est le tsunami. Et au niveau des ruines, cœur du temple. Ouais, ça c'est le boss. D'accord. Bon, on va se quitter sur une musique. Je pense qu'on va se quitter sur une musique du monde 2. On va se quitter sur l'ambiance aquatique. Je trouve que c'est une belle musique, bien douce comme il faut. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ah, une belle musique douce comme je les aime. Allez, on s'arrête là. Donc c'était top top donc pour cette cinquième partie sur un let's play de Donkey Kong Country Returns. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et dans l'épisode suivant, eh bien, on se retrouvera donc pour commencer le monde 4, le monde de la caverne. Et en attendant, ben, moi je vous dis... à la prochaine tout le monde.